matin, j'avais un entretien de 30 minutes. C'était le premier entretien avec une entreprise. Bah là, je vais dans un café pour bosser. Et aussi, je vais préparer mon entretien parce que j'ai un autre entretien mardi après-midi avec une entreprise à Toronto et c'est uniquement forcément en anglais. Et du coup moi je vous avais dit dans l'autre vidéo, je crois que moi de base je prépare pas mes entretiens, j'envoie pas de lettre de motivation, enfin j'y vais un peu en mode au feeling, voilà. Mais là vu que c'est en anglais, je préfère préparer un minimum pour être un peu à l'aise, enfin le plus à l'aise possible, parce que je serais pas confortable, mais le plus à l'aise possible, donc faut que je prépare un minimum. L'outfit du jour, comme d'habitude, avec l'aspirateur. L'aspirateur, il est toujours là, c'est un truc de ouf. Bref, là, c'est un col roulé en... Comment ça s'appelle ? En laine mérinos de Uniqlo. Toujours mon jean Sandro, mon manteau de chez Topshop et mon bob que j'ai acheté cette semaine, Zara. Et puis, je mets mes Uggs. Du coup j'ai fini de bosser, je mets les écouteurs parce qu'avec le bruit des voitures et tout on m'entend pas. Franchement le spot il est sympa, Amea Café si vous êtes à Montréal, je vous recommande, enfin moi je connaissais pas et franchement vraiment sympa. Et je vais aller faire un tour à la boutique Kos, c'est à 7 minutes à pied et voilà. J'aime bien cette rue, j'étais jamais venue dans cette rue, la rue Sherbrooke, franchement j'aime beaucoup la vibes, ouais.
aujourd'hui, je vais à la bibliothèque, la bibliothèque des archives. C'est métro Champ de Mars sur la ligne Orange, je crois. Une étude de cas à rendre sur un lancement de produits d'analyse de risque financière pour une entreprise. J'avais 48 heures pour le faire et j'ai rien fait hier, donc il me reste 24 heures. Mais c'est pas grave, du coup je vais à la bibliothèque pour le faire au quotidien. J'ai mis ce cardigan, donc c'est un dupe du cardigan Massimo Dutti là, qui coûte plus de 100 et quelques euros je crois. Et je l'avais essayé d'ailleurs, celui de Massimo, quand j'étais à Paris en septembre. Mais je sais pas, je trouvais qu'il faisait un peu serpillière, enfin le rendu faisait un peu bizarre. Mais bon, en tout cas j'ai trouvé celui-là, bah, d'ailleurs je l'ai essayé dans le précédent vlog et j'aime beaucoup. Il tient vraiment chaud, j'aime bien le rendu. Et je viens de recevoir mon pantalon que j'ai acheté pendant Black Friday. C'est un pantalon noir donc de chez Zara. La coupe elle est plutôt droite mais assez large ici. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai acheté ça aussi chez Amazon. Vous savez c'est comment ça s'appelle, les cache-oreilles un peu inspi hug. J'aime beaucoup. Si vous voulez, je vous mets le lien en fait en barre d'infos. Il était pas trop cher, je crois que c'était 24$. Et puis la fausse fourrure, elle est vraiment quali, hein, très douce. Franchement, je vous recommande. Je vous mets le lien. Pendant Black Friday, j'ai acheté cette écharpe aussi en laine et en alpaga. Elle était à 27$, je crois. C'est celle-ci que j'ai achetée à Simons là. Ouais, elle est en 100% laine, je crois. Non, 51% d'alpaga, 28% de laine. Donc, elle est très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Ce mois-ci, j'ai reçu deux nouveaux parfums de chez Dossier. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque qui fait des parfums d'inspiration de parfums iconiques. Et là, j'ai reçu Floral Marshmallow. Donc, c'est Love Don't Be Shy de By Killians. Et j'ai reçu Woody Tobacco. C'est Replica Jazz Club de Maison Margiela. By Killians, je voulais le tester, mais c'est sucré, ils sont très très bons, mais c'est un petit peu plus sucré, et moi je suis en ce moment plus sur des parfums un petit peu plus fins, un peu plus pointus, et Woody Tobacco, donc Jazz Club là de Margiela, ils sont vraiment très très bons. Par contre je pense qu'il est juste un petit peu plus doux, mais je préfère cette version là. En tout cas je vous recommande, comme d'habitude, c'est vraiment en plus abordable pour des parfums, ils tiennent très très bien sur la peau et sur les vêtements. Je crois qu'ils sont à 39$ ou 49$ maximum. Et en ce moment, vous avez une promo. Je crois que si vous en avez, si vous en achetez 3, vous avez moins 10% et la livraison gratuite. Si vous en achetez 4, vous avez moins 15 avec livraison gratuite, etc. Mais tout est marqué sur le site que je mets en barre d'infos.
sketch 1 comme fait différent pour l'extérieur. Puis je le trouve tellement beau, il est comme en un peu comme en laine. Ah, oui. C'est gentil. J'ai acheté à H&M. Oh oui? Oh oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Je range tout, je mange et après je vais à Service Canada qui est à côté là vers le quartier chinois pour ouvrir un dossier à Service Canada. Bref, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille pour 14h parce que ça ferme à 16h et je sais plus quelle heure il est, mais voilà. $92.
mais il faut que j'y retourne demain parce qu'il faut que je donne mon permis de travail et il faut que je demande un code ou je sais pas quoi faire, bref. Donc en fait, je suis allée au Service Canada pour m'inscrire à Service Canada, enfin tous les services comme assurance chômage, tout ça, tout ça. Du coup, là, j'ai pu faire mon truc, ma demande en ligne, enfin sur place. Mais il faut que je donne mon permis de travail et que je demande un code d'accès personnel. Mais là, comme ça a fermé à 16h, j'avais plus le temps. Donc, je vais retourner demain pour compléter la demande. Et là, tout à l'heure, je suis allée normalement. Je devais recevoir un colis Zara. C'est marqué que c'était livré sur l'application. Mais là, le monsieur à l'accueil, il me dit qu'il n'y a pas. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Je vais redescendre tout à l'heure si je reçois la notif. Ou ben, j'irai chercher demain. Voilà. Il est 16h et il fait nuit. Nuit! Je vais goûter les cookies. J'ai acheté au chocolat blanc. On va goûter. Oh, c'est sucré. C'est sucré de ouf. Moi qui suis droguée au sucre, là, vraiment. Juste un petit bout, c'est bon. Dans ce building, en fait, il y a une pièce d'atelier d'art, voilà,
où tu peux faire de l'atelier, enfin, tu peux te faire tes ateliers d'art plastique ou quoi. Et du coup, on va faire de la pâte à modeler. On va faire des trucs, comment ça s'appelle, enfin, des petits supports, quoi, par exemple, des petits plateaux, tout ça, quoi. Ouais. On a acheté ça, la peinture, ça qu'elle a pris sur Amazon.